En fait, en introduction, je voulais parler un petit peu de ma thèse parce que ça me permettra de contextualiser la communication que je vais vous faire aujourd'hui. En fait, le point de départ de mon projet, ça a été la lecture du Mal de Paris de Régine Robin, donc un essai qui est paru en 2014 et un essai qui fait preuve d'une érudition assez ébouriffante parce que l'historienne parce que Régine Robin analyse en fait tout un tas de livres, de romans, de photographies, d'expositions, de films, d'essais plus théoriques. Et elle fait un constat assez alarmant. Paris souffrirait d'un défaut d'imaginaire. En gros, il y aurait une béance entre le Paris, le grand Paris tel qu'il est déjà là, et les représentations qui seraient figées, vitrifiées. Les représentations d'une ville-musée. Elle parle notamment de mythographie parisienne qui daterait des années 70. Donc en gros, c'est un peu on peut dire le Paris d'Amélie Poulain. Donc en fait, je trouvais ce constat assez alarmant et je me suis intéressée à un corpus récent, peu défriché, donc qui est la plupart des romans que j'étudie ont été publiés entre 2016 et 2020. Donc il y a Le Grand Paris d'Aurélien Bélanger, Cru de Philippe Forest, Éloge des bâtards d'Olivia Rosenthal, 75 d'Anna Louise Milne et Le 209 rue Saint-Maur de Ruth Zilberman. Et en fait, c'est donc ces romans qui prennent des formes assez diverses, parce qu'il y a des romans, il y a des romans fantastiques, il y a plus des récits d'enquête, il y a un roman sans fiction. En fait, ces romans appellent et profilent une autre ville, pas simplement le Paris muséifié dont Régine Robin a parlé. Donc, pour ma thèse, j'ai choisi de privilégier l'habitat et l'habitation. Je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui sont plus dans la mobilité, les parcours. Donc, c'était pour choisir un angle un petit peu différent. Et en termes de concept, je me suis beaucoup appuyée sur le concept critique d'imaginaire social avec ses cinq modes de sémiotisation, tel que l'a défini Pierre Popowicz. Donc, ma thèse comporte trois volets. Le premier, je me suis interrogée sur comment est représenté l'espace parisien. Donc, ça va, les stratégies narratives, les métaphores qui sont associées à la ville. En seconde partie, je me suis intéressée à la flânerie, mais la flânerie conjuguée au féminin. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'écrits et beaucoup de travaux sur le flâneur dans la ville, qui bénéficie d'une certaine mobilité, puis qui bizarrement ne se fait jamais harceler ou lancer des remarques salaces non sollicitées, qui a peut-être un certain luxe pour reluquer les passantes ou un sentiment de nostalgie envers peut-être un Paris du bon vieux temps. Et je me demandais ce que la figure du flâneur projetait au XXIe siècle, la figure de la flâneuse en fait. Donc voilà la seconde partie. Et ma troisième partie, en fait, c'est autour d'une enquête, une enquête autour d'un immeuble, le 209 rue Saint-Maur, donc de Ruth Zilberman. Là, en fait, on ne voit pas très bien l'image, mais c'est celle d'un documentaire qu'a réalisé la romancière en 2018. En fait, son documentaire raconte comment la réalisatrice a cherché à retracer le destin de neuf enfants juifs qui ont habité pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle s'intéresse à est-ce que les enfants ont survécu et ce qu'ils sont devenus. Et à la suite du film, elle a écrit un roman où elle raconte justement à la fois son enquête et à la fois comment elle a filmé, comment elle a créé son documentaire. Et je dirais que cette démarche, elle s'inscrit dans un mouvement où les écrivains et historiens cherchent à écrire des micro-histoires de la Shoah. Pour ne donner que quelques exemples, dans Les Disparus, Daniel Mendelsohn cherche à retracer le destin de son grand-oncle. Yvon Jablonka avec Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus, Marianne Rubinstein, C'est maintenant du passé, Anne Berest, La carte postale, eux enquêtent sur leurs grands-parents. Et plus récemment, un livre qui était sélectionné pour le prix Goncourt et qui a fait une polémique, de Chloé Cormant, Les presque sœurs, où il y a une réaction elle s'est intéressée en fait à la vie des trois de trois cousines de son père, de leur expérience des camps, de leur expérience de la guerre.
Et bah en fait, les trois femmes, quand le roman est sorti, ont eu comme l'impression de s'être fait voler leur récit. Donc il y a aussi dans ce choix d'écrire, il y a aussi des impacts éthiques aussi à considérer. Il y a aussi récemment, à la rentrée littéraire, aussi Anna Dvorak, Tombeau. Et il me semble qu'il y a vraiment là peut-être j'y fais plus attention, mais une floraison de micro-histoires et puis de quêtes des origines. Donc même si elle n'enquête pas directement sur les membres de sa famille, la narratrice fait entendre en filigrane sa propre histoire familiale. Parce que ses grands-parents polonais se sont réfugiés à Paris dans les années 30, sa mère est une survivante des camps, et son père, lui, a pu échapper à une rafle, et il a été un enfant caché dans une autre famille pendant la guerre. Donc le titre de ma communication fournit un indice pas très subtil, donc je ne révèle rien en disant que l'essentiel de ma présentation est consacré à ce qui a trait à la filiation pérequienne, qui est un des fils conducteurs du livre. Je donnerai ensuite quelques éléments autour de l'immeuble, considéré comme chronotope, car celui-ci est l'outil herméneutique idéal pour rendre raison des multiples temporalités qui traversent ce lieu d'habitation et le faisceau de récits qui en émanent. Et enfin, je terminerai en évoquant un projet artistique singulier, le monument de papier du graphiste Philippe Appelois. Donc, le roman de Ruth Zilbermann s'inscrit dans ce nouvel âge de l'enquête postulé par Roland Demanz et titre de son nouvel essai, donc un nouvel âge de l'enquête. Demanz observe un retour de l'enquête dans la littérature du XXIe siècle, dont les textes exposent, je le cite, une forme et un imaginaire majeur de l'ère contemporaine qui donne à lire le cheminement d'une investigation dans ses hypothèses et ses hésitations, ses tâtonnements et ses doutes. Le roman intègre aussi les trois usages relevés par Florent Coste à propos de la littérature contemporaine, qui tantôt fait de l'enquête un motif narratif, tantôt l'emploie comme un protocole d'écriture, ou tantôt l'exhibe sous forme de dispositif. La narratrice refuse dès le début d'endosser le rôle d'historienne, l'expression devoir de mémoire la hérisse, et son choix se porte sur un immeuble ordinaire, sans plaque commémorative, ni homme illustre, comme il en existe des milliers à Paris. Elle ne connaît rien de ce bâtiment choisi au hasard, à part que la porte cochère bleue était entrouverte. Et cette action correspond à une des étapes essentielles du processus d'enquête, la défamiliarisation. Selon Laurent Demanz, enquêter équivaut à produire un dépaysement de la pensée qui s'inscrit dans la durée. Et un des prérequis est de pouvoir décadrer et dénaturaliser son regard. Les débuts sont modestes, puisque l'enquêtrice se contente au départ, je cite, d'arracher des bribes aux façades entrevues, d'agripper à la va-vite et sans en avoir l'air tous les détails possibles, et de traquer l'humble signe ignoré de tous. Découvrir tout ce qui se rattache à l'immeuble devient ensuite rapidement une idée fixe pour celle qui se dit obsédée, obsédée par une seule adresse. Donc l'essai de Laurent Demanz met en lumière le rôle de Georges Perec, dont les écrits inspirent de nombreux écrivains enquêteurs, entre attention consacrée à l'infraordinaire et tentative d'épuisement des espèces d'espace de la ville. Je cite Demanz, « Mener des exercices de défamiliarisation, consigner une mémoire des lieux, être attentif à la banalité du quotidien, bouleverser nos manières d'habiter, collecter les scories ordinaires comme dans le projet d'un herbier des villes. Georges Perec mène à travers une poétique de la notation ou des techniques d'inventaire, une pratique réflexive d'investissement de l'espace. » Donc le roman de Ruth Zilbermann revendique explicitement l'héritage perequien dès l'exergue où figure une longue citation d'espèce d'espace. J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés, des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources, mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison où je serais née, l'arbre que j'aurais vu grandir, que mon père aurait planté le jour de ma naissance, le grenier de mon enfance empli de souvenirs intacts. De tels lieux n'existent pas, et c'est parce qu'ils n'existent pas que l'espace devient question, cesse d'être évidence, cesse d'être incorporé, cesse d'être approprié.
L'espace est un doute, il me faut sans cesse le marquer, le désigner. Il n'est jamais à moi, il ne m'est jamais donné, il faut que j'en fasse la conquête. Et c'est vraiment la conquête de l'immeuble auquel va se livrer la narratrice du roman. En plus de cet élément de paratexte, l'incipit contient la description d'un détail d'une façade, je cite, soit le masque en plâtre d'un satyre débonnaire et barbu, sosie de Georges Perec. Comme pour instaurer dès le début du roman une familiarité de ton frisant la connivence. Les descriptions sous la forme de l'inventaire, c'est-à-dire de longues énumérations intégrées dans le corps du texte, rappellent par exemple celles que Perec a écrites dans « La tentative d'inventaire des aliments liquides et solides que j'ai ingurgité au cours de l'année 1974 ». De son côté, la narratrice établit la liste des métiers des locataires de l'immeuble entre 1926 et 1936. Je commence par le texte de Perec. Donc, neuf bouillons de bœuf, un potage aux concombres glacés, une soupe aux moules, deux andouilles de guéménée, une andouillette en gelée, une charcuterie italienne, un cervelas, quatre charcutailles, une copa, trois cochonailles, une figatelli, un foie gras, un fromage de tête, une hure de porc, cinq jambons de parme, huit pâtés, un pâté de canard, un pâté de foie gras truffé, un pâté en croûte, un pâté grand-mère, un pâté de gris, six pâtés des langues, quatre museaux, une mousse de foie gras, un pied de cochon, sept rillettes, un salami, deux saucissons, un saucisson chou, une terrine de canard, une terrine de foie de volaille. Donc voilà un des exemples des longues descriptions péréquiennes. Et après, je vais mettre le texte du roman. Un ouvrier chaudronnier, un ouvrier maçon, un ouvrier cimentier, un ouvrier ébéniste, une ouvrière cartouchière, une batteuse d'or, un ouvrier boulanger, un ouvrier boucher, un forgeron, un mécanicien, un ouvrier pâtissier, un chauffeur, un miroitier, un orfèvre, deux gardiens de la paix, un ferblantier, une parquetteuse, un chauffeur taxi, un typographe, un ouvrier d'horreur, une émailleuse, une polisseuse, un cuisinier, une fleuriste, une mouleuse, une monteuse, une ouvrière mécanicienne, une modiste, une lingère, un coupeur, des tricoteurs, des accoutreuses, une performeuse, beaucoup de tailleurs, des ouvriers fourreurs, des presseurs, un ouvrier chapelier, une matelassière, un tapissier, garçon de café chez l'arrache, un peintre, un crieur à la lampe magique, un crieur à la lanterne magique. Pardon. Donc, dans le premier cas, c'est vrai que Perec a joué avec la norme orthographique, qui a des écarts pour refléter les coquilles qui sont souvent présentes dans les menus de restaurants. Donc, il n'y a pas ça dans le roman de Ruth Zilbermann. Mais par contre, il y a un jeu sur les pluriels et les singuliers, le masculin et le féminin. On voit par exemple un mécanicien, une ouvrière mécanicienne. Des fois, deux gardiens de la paix. La dimension esthétique se déploie au niveau sonore avec les allitérations, notamment les lettres en R et T, et les assonances, soit à l'intérieur d'un même groupe nominal, donc ouvrière, cartouchière, soit entre deux segments, un ouvrier boulanger, un ouvrier boucher. Et cet élan rythmique induit une accélération et presque un vertige dans la lecture. Et par un effet d'harmonie imitative, la répétition des consonnes dures renvoie à la dureté du monde du travail. Cette énumération possède d'abord une fonction informationnelle et souligne la diversité des professions que les hommes, mais aussi les femmes, ce qui est la marque d'un milieu populaire, exercent. Ce long répertoire des différents corps de métier correspond à ce qu'affirmait Georges Perec sur l'ambivalence propre à l'énumération entre exhaustivité et inachèvement. Je cite un extrait de Pensée classée. « Il y a dans ce procédé deux tentations contradictoires. La première est de tout recenser, la seconde d'oublier tout de même quelque chose. La première voudrait clôturer définitivement la question, la seconde la laisser ouverte. » Philippe Hamon considère que la description est toujours plus ou moins, je le cite, « ostension de la part du descripteur, de son savoir, encyclopédique et lexical, démonstration tout autant que monstration de l'étendue d'un lexique, démonstration aussi de son savoir-faire rhétorique, ce qui s'applique tout à fait à l'extrait cité, notamment par son étalage
de professions inusitées ou disparues. Cette énumération est aussi une accumulation, au sens que lui donne Bernard Dupriez, soit un ajout de termes ou des syntagmes de même nature et de même fonction, parfois de même sonorité finale. En tant que série non finie, l'inventaire effectue un cheminement allant du particulier au général, du concret à l'abstrait. Il s'agit de mettre en scène un immeuble type d'ouvriers, de petites gens, je cite le texte, caractéristique du Paris populaire des années 30. Cette expansion lexicale évite ainsi adroitement le piège d'une dérive sémantique sans fin, d'une érudition creuse ou d'une dilution de sens. Dans Espèces d'espace, Georges Perec donne une série de principes théoriques à propos des immeubles en général, notamment la nécessité de, je le cite, les regarder et la nécessité de lever la tête. Conseil que la narratrice, qui ne cesse d'affûter son regard, suit attentivement. Donc je cite le texte du roman de Rudi Bergmann. Depuis le temps qu'elle marche à leurs pieds, toujours tête levée, elle a appris à lire les signes qui distinguent chaque façade d'une autre. Dans 209 rue Saint-Maur, ce pouvoir de regarder se traduit par des descriptions extrêmement précises afin de faire voir au lecteur les caractéristiques de la rue, des commerces environnants, de l'immeuble lui-même. Donc, elle décrit donc matériaux, couleurs, dispositions, vues, détails architecturaux, ainsi que les faits et gestes de ses locataires. Le texte recourt notamment au jargon architectural, bandeaux, moulures, linteaux, plâtre, fronton, vénure, etc. Ce balayage progressif, énumératif et exhaustif rappelle la description pérequienne des bâtiments dans lieu. Donc là, le dernier livre qui est apparu. Peut-être je peux signaler aussi que Perec, donc le livre lieu a été publié, mais il y a aussi sur le site web du Seuil une sorte de parcours où on peut naviguer d'un lieu à l'autre avec les descriptions. Ça la rappelle aussi la description du 24 de la rue Villain dans l'infraordinaire, mis à part bien sûr que l'écrivain, lui, ne rentre pas dans le bâtiment. Les étapes de l'enquête autour du 209 correspondent aussi en tout point aux autres recommandations de Perec à propos des immeubles, soit, je cite, « chercher le nom de l'architecte, le nom de l'entrepreneur, la date de la construction, ou encore essayer de se souvenir de ce qu'il y avait avant. Bref, il s'agit de mettre en place des pièces pas encore agencées afin de reconstituer le puzzle, métaphore chère à l'écrivain. Enfin, en exergue de la vie mode d'emploi, figure la citation « Regarde de tous tes yeux, regarde », laquelle est reprise dans le roman de Ruth Zilbermann, d'abord sous forme classique. La narratrice fait référence à Georges Perec citant Jules Verne, puis inscrite en italique dans le corps du texte et enfin transformée dans l'excipit. Je cite « Par la fenêtre, elle regarde le monde de tous ses yeux, elle le regarde ». Le pléonasme, le glissement pronominal de la première personne à la troisième dans la narration, crée une mise en abîme finale comme une invitation à prolonger cet impératif au-delà du roman. La narratrice organise des rencontres avec les anciens habitants de l'immeuble afin de récolter leurs témoignages. Elle fait preuve d'un profond sens de l'écoute, se transformant en réceptacle attentif des paroles des anciens locataires. De Mans nomme restitution la démarche qui intègre dans la composition le regard d'autrui pour ne pas prendre la parole à la place d'autrui, mais construire un espace de langage avec eux. Pour établir ce référentiel commun, la narratrice n'hésite pas à s'appuyer sur un véritable équipement, feuilles blanches à dessin, objets miniatures, des figurines ou des meubles qui proviennent des maisons de poupées. Et ces objets étayent le souvenir et canalisent, par leur matérialité, la souffrance de l'évocation. Ils permettent aussi de faire ressurgir des histoires particulières. Pour l'un, ce sera la machine à coudre qui lui rappelle sa mère disparue,
ou l'horloge, seul meuble de son enfance qu'il a pu récupérer après la guerre et qu'il a conservé depuis. Les anciens locataires dessinent des croquis et des schémas détaillant les différentes pièces, ce qui donne corps au bâtiment, décrit dès le début du roman sur le mode organique par la mention de son squelette, de ses entrailles et de la peau de ses façades. Et cette utilisation de maquettes et de meubles miniatures fait écho à l'intérêt que portait Pérec aux maisons de poupées dont il possédait plusieurs catalogues. Dans un entretien télévisé datant de février 1976, il donne le point de départ de la vie mode d'emploi. Au commencement est une maison, la description d'une maison. Montrant une carte postale d'une maison de poupées conservée dans un musée d'Amsterdam, Georges Pérec précise « Voilà donc un des premiers modèles, un des premiers exemples qui m'a amené à organiser ce monde. C'est une maison de poupée complètement ouverte. » Et maison de poupée qui se retrouvera d'ailleurs dans un des appartements de l'immeuble au chapitre 23 de la vie mode d'emploi, jouant ainsi sur une mise en abîme du modèle d'habitation. Dans ce même livre, l'écrivain a glissé des citations sans indiquer le nom de leur auteur, exception faite des indications qui figurent dans le post-scriptum. Ce livre comprend des citations, parfois légèrement modifiées, de René Belletto, Hans Bellmer, etc. Le texte du 209 rue Saint-Maur incorpore aussi des citations avec ou sans mention de l'auteur, le plus souvent en italique, dont la définition de l'infraordinaire, je cite, « ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour », le banal, le quotidien, l'évident, le commun. Tout comme le romancier, l'enquêtrice traque ce qui ne figure ni dans les archives officielles, ni dans la grandiloquence hyperbolique des faits divers. Elle reprend explicitement une des interrogations de Georges Pérec, « Qu'y a-t-il sous votre papier peint ?» D'abord sous forme de citation indicielle, selon la formule d'Antoine Compagnon. Le récit incorpore ensuite ce questionnement sans les guillemets d'usage et sans italique à deux reprises, comme un refrain qui ponctue les recherches. Enfin, la narratrice fait référence au papier peint de son imagination. Donc cet exemple démontre à quel point la dimension intertextuelle se complexifie, puisque le texte cite de façon classique un emprunt, puis l'incorpore et finalement se l'approprie et le déplace pour créer une nouvelle image textuelle. Enfin, je voudrais mentionner un extrait d'Espèce d'espace concernant le rapport spécifique qu'entretient Georges Pérec avec la matérialité de la page et qui trouve un écho dans le texte du 209 rue Saint-Maur. Alors, voilà ce que dit Pérec. « Je crie, j'habite ma feuille de papier, je l'investis, je la parcours, je suscite des blancs, des espaces, saut dans le temps, discontinuité, passage, transition. » Le texte de Ruth Zilbermann fait référence à son immeuble de papier, ce que l'on peut lire en jouant sur les mots comme une façon d'habiter la feuille de papier. De plus, de nombreux supports visuels et textuels sont incorporés dans le texte. Donc, dans le texte, il reproduit des plans, des daguerreotypes, des photographies, des articles de journaux, des lettres, des documents officiels. Et comme ils sont entourés de blanc, ils suspendent ponctuellement la lecture, la rendant discontinue, et ils correspondent sur le plan narratif à des retours dans le passé. Donc là, j'ai deux exemples. Voilà, le texte n'est pas lisible, mais là, c'était vraiment pour montrer à quel point, en fait, le document d'archive, avec en plus la légende, figure dans le texte. Donc là, le lecteur s'interrompt forcément dans sa lecture pour regarder le document. Donc là, c'est une carte postale. Puis là, c'est une lettre qu'un des enfants écrit pour raconter comment il a été séparé de son père. Donc voilà, de même, les sauts dans le temps que Pérec mentionnait s'effectuent dans le roman par des changements de paragraphe, donc marqués par des espaces, mais sans transition explicite, dans une narration qui peut passer directement d'une description des habitants du 19e siècle à celle des nouveaux propriétaires des années 2000. Donc pour terminer cette partie,
Selon Laurent Demance, les enquêtes contemporaines, hasardeuses et inquiètes, multiplient les failles, les marques d'effacement et les signes illisibles, et se caractérisent par leur principe d'incomplétude et leur suspension sans point final. Dans le roman de Ruth Silberman, celle qui cherche à se frayer un chemin parmi cette masse de noms et cet amoncellement d'informations prend elle aussi acte des limites de sa démarche en qualifiant lucidement la nature de sa quête désespérée d'exhaustivité d'intrinsèquement incomplète. La redondance allitérative, qui accentue l'effet d'achèvement, démontre que la détective urbaine opère une prise de conscience des impasses, des angles morts et des tâches aveugles de son enquête. Lors de ses collectes de témoignages, elle doit aussi se méfier de ses souvenirs-valises qui mêlent des détails vrais et faux. Malgré tous ses efforts, elle admet son impuissance à comprendre les raisons pour lesquelles une habitante a été libérée des mains de la Gestapo en 1943, ou à localiser l'escalier du 209 où un Allemand anti-nazi pouvait se cacher. Quant à la porte au fond du couloir qui abrita les premiers instants de vie d'un des enfants, elle résistera à ses assauts et restera à jamais close. Mais peut-être est-ce aussi bien ainsi. Laurent Demance note à juste titre que ce manque n'est pas nécessairement le signe d'un échec. Il marque au contraire l'impossibilité de saturer l'enquête ou d'épuiser un réel qui échappe à toute maîtrise. Donc je voudrais mettre en commun deux passages. Le premier est de Georges Perec qui détaille son rapport à l'écriture. Écrire pendant toute une journée ou pendant toute une nuit, esquisser un plan, mettre des grands i et des petits a, faire des ébauches, mettre un mot à côté d'un autre, regarder dans un dictionnaire, recopier, relire, raturer, jeter, réécrire, classer, retrouver, attendre que ça vienne, essayer d'arracher à quelque chose qui aura toujours l'air d'être un barbouillis inconsistant, quelque chose qui ressemblera à un texte, y arriver, ne pas y arriver. Donc le second passage est celui du roman 209 rue Saint-Maur. Mais je ne trouve rien de rien sur l'enfant, sinon la conviction que j'aurais beau lancer avec obstination, excitation même, mes filets dans toutes les directions possibles. J'aurais beau fouiller Internet, dépouiller les archives, remonter les pistes, bifurquer, croiser, analyser, accumuler les informations. J'aurais beau croire aux coïncidences, aux indices secrets. Je ne parviendrai qu'à un tableau fragmentaire, déjouant ce sentiment de toute-puissance qui m'habite parfois, cette toute-puissance du présent sur l'autrefois. Mon 209 sera toujours un immeuble de papier, tributaire des fausses pistes, des impasses, de mes aveuglements, de mes faiblesses. Donc ces deux longues phrases énumératives multiplient les verbes d'action à l'infinitif, ce qui a pour fonction d'exhiber le processus d'écriture, lequel se révèle laborieux, itératif, envahissant, obsessif, chronophage, avec un risque d'échec inhérent à la démarche. Mais la tonalité de ces citations n'implique en aucun cas un quelconque renoncement. Il s'agit au contraire de valoriser la démarche d'écriture, de l'inscrire dans la durée et d'acter la possibilité d'une saisie partielle d'un objet par les mots. Donc là, j'aborde ma deuxième partie, mais j'ai oublié de regarder le temps. Oui. Non, ça va, tu t'as le temps de faire la deuxième partie. Ok, il me reste 4 heures. Ok, moi aussi. donc j'entame ma deuxième partie. Cette fois-ci, je vais parler de Bakhtin et du chronotope. Selon Michael Bakhtin, le chronotope performe, je cite, « la condensation et la concrétisation des indices du temps, temps de la vie humaine, temps historique, dans différents secteurs de l'espace. Comme le chronotope analysé est celui d'un lieu d'habitation, plusieurs indices du temps constituent des marques de la temporalité quotidienne, que ce soit sous la forme de récits de vie des locataires, retracés par la détective urbaine, ou parce qu'elle expérimente elle-même dans son rapport avec son objet d'enquête. Son expérience se retrouve redoublée littérairement par la revendication de l'attention portée à l'infraordinaire cher à Perec. Au fil des jours, les occupants de l'immeuble s'habituent à sa présence.
Il la salue, vient lui parler et l'invite même à partager une galette des rois. Le son ambiant de l'immeuble devient une rumeur paisible aux oreilles de celle qui arpente sans relâche la même adresse. À ce temps répétitif s'ajoute la construction d'une temporalité circulaire. Les dénonciations des habitants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale font écho à celles des insurgés à la fin de la Commune. À ces deux reprises, le bâtiment perd son rôle protecteur lorsqu'il est l'objet de rafles et de fouilles qui se déroulent dans l'indifférence des façades. Dans un registre plus anecdotique, un des anciens locataires retourne au 209 avec un carnet dans lequel il dessinait enfant et le montre à la fille et au garçon d'un des nouveaux propriétaires. Par ces gestes, je cite, les dessins avaient retrouvé leur terre maternelle. L'analyse de l'événement d'envergure que constitue la libération de Paris dévoile d'autres temporalités qui traversent le chronotope de l'immeuble, d'autant plus que ce marqueur historique de l'imaginaire parisien fait l'objet de deux versions bien distinctes dans le texte. Celle que la narratrice et d'autres témoins se sont forgés enfants ressemble à un rêve ou à un film hollywoodien, à un scénario enchanté, avec des cloches sonnant à la volée et des prisonniers enfin libérés. Le monde entier s'agenouillait en silence, saisi de terreur et de pitié, réalisant la monstruosité du mal commis, muet d'horreur, chacun méditant sur sa responsabilité, mû par un unanime mouvement de rédemption afin de se relever, prêt à construire un monde nouveau, le monde de l'après-guerre, le sien. Cette fantasmagorie de la relégation du mal était alors nécessaire pour envisager une survie possible, mais elle laisse dans l'ombre le fait que la plupart des locataires du D109 déportés avaient disparu de la surface de la terre. Cet autre récit affleure quand l'une des anciennes locataires confie, c'est alors qu'on a commencé à attendre. Marguerite Duras parle dans la douleur de cette attente suffocante au beau milieu de Paris libéré. Il y a ceux qui attendent et les autres. Ceux qui attendent, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ils attendent sans savoir encore exactement ce qu'il est possible d'attendre. Attendre le père, la mère, la sœur, le frère. Certains parlent, disent qu'il est inutile d'attendre, et pourtant, impossible de ne pas attendre encore. Dans l'escalier A, les deux fils Knoploch attendent leur père, leur mère, et dans l'escalier D, Madame Wiener attend son fils Louis. Escalier C, Odette et Suzanne attendent toujours leurs parents, ainsi que leur sœur Fernande et leur frère Isidore. Attendre, comment y renoncer? La scansion implacable du mot, 11 occurrences en une page, ainsi que le fait qu'un processus identique se déroule d'un escalier à l'autre, produisent un effet de saturation dans la lecture. Le texte fige, enfermé sur lui-même, à l'opposé de la tonalité lyrique du discours officiel, victorieux et héroïque. Parce qu'il exprime l'indissolubilité de l'espace et du temps, leur fusion en un tout intelligible et concret, le chronotope cristallise ici la suspension du temps et de l'espace, rompant avec l'expérience ressentie par une enquêtrice habitée par ce mouvement contradictoire de permanence et d'impermanence, la stabilité des pierres, les vies en passage. Ainsi, le texte réussit habilement à agréger une multitude de temporalités, quotidiennes, cycliques, événementielles, suspensives, à partir d'une seule et même adresse toponymique particulière. À partir du microcosme social de l'immeuble, le roman de Ruth Zilbermann déploie un faisceau de récits, entretenant des allers-retours continuels entre le passé et le présent, entre l'histoire du 209 rue Saint-Maur et celle de la ville de Paris, voire celle de l'histoire de la France vu la prédominance de la capitale dans l'Hexagone. En d'autres mots, le chronotope de l'immeuble constitue un outil herméneutique qui permet l'assimilation par le texte d'une conscience historique. L'histoire ouvrière parisienne et celle de la Shoah constituent des récits principaux auxquels se greffent d'autres moins convoqués comme celui de l'immigration. Le roman retrace ainsi la montée dans la capitale de provinciaux par la mention d'un propriétaire aveyronnais d'un café ou celle d'un ouvrier limousin. Jean Chasseuil, décédé d'une blessure à la tête lors de la construction du bâtiment,
selon un article du Figaro paru le 20 octobre 1889. Le texte, le roman est dit. Il était peut-être l'un des milliers de maçons de la Creuse, montés à Paris au cours du XIXe siècle, et qui en ont métamorphosé la physionomie par leur labeur et la force de leurs mains calleuses. L'individu se fait ici le représentant d'une catégorie sociale. Le Limousin se situe à l'intersection d'un récit de l'immigration et de celui de la condition ouvrière marquée par la dangerosité des métiers exercés. De même, le cordonnier Abraham Gogolinski incarne un de ces nombreux juifs polonais qui se sont réfugiés à Paris pour fuir les persécutions de leur pays d'origine. Une des habitantes évoque ses souvenirs d'enfance au 209 dans les années 70, quand la plupart des locataires étaient marocains, kabyles et portugais et entretenaient des liens de voisinage étroits. Je cite le texte. Le 209, c'était comme une histoire de famille. Beaucoup d'hommes étaient ouvriers, ils travaillaient dur, souvent la nuit, les femmes restaient à la maison pour élever les enfants. Retracer la trajectoire de ces destins individuels débouchait ainsi sur une chronologie des vagues d'immigration qui marquent l'histoire de la ville. Le roman peut aussi se lire au prisme d'une histoire de la violence, que celle-ci soit d'ordre politique ou économique. Dans le premier cas, le texte retrace les combats des classes ouvrières au XIXe siècle, les deux guerres mondiales au XXe siècle et enfin les attentats du 13 novembre 2015. La violence se joue aussi sur le plan économique, les habitants de l'immeuble ayant longtemps vécu dans une extrême pauvreté. L'une, je cite, garde de sa vie au 209 la sensation d'un grand dénuement, tandis qu'une autre affirme, un enfant ça sent, oui ça sent vraiment quand ça manque. Ceux qui ont grandi dans les années 50 et 60 confient avoir éprouvé un même sentiment d'infériorisation. Honte de vivre dans un immeuble délabré, aux couloirs sombres, aux toilettes sur le palier. Honte de ces petits appartements dont certains étaient encore sans eau courante, où l'on n'osait pas inviter les camarades d'école. Cette perception enfantine, encore vivace à l'âge adulte, transcrite dans l'anaphore de ces deux phrases nominales, met efficacement en lumière la précarité des conditions de vie au 209 rue Saint-Maur. Le chronotome de l'immeuble file aussi le récit des transformations de l'habitat parisien, entre autres par le processus de gentrification. L'immeuble s'inscrit dans une longue histoire urbaine, ponctuée de phases de changement lent. Le 209 ressemblait encore après la guerre à cette cour des miracles que décrivait l'un des enfants pour parler des années 30, ou au contraire d'évolutions rapides, notamment quand il est question de l'urbanisation accélérée au début du 19e siècle. La ville subit les effets, je cite, d'une urbanisation assez hétéroclite, sans véritable plan d'ensemble, laissée à l'initiative privée de particuliers qui achètent les terrains et construisent des immeubles d'allure disparate. Le tronçon de la rue Saint-Maur, entre la rue du Faubourg du Temple et l'hôpital Saint-Louis, ne fait pas exception, on y bâtit à tout va. Il en ira de même dans les années 2000. Certes à moindre échelle, les propriétaires rénoveront frénétiquement les appartements du 209. L'immeuble est aussi une matrice sémiotique, sur la formule de Pierre Popovic. La machine à voyager dans le temps de l'enquêtrice a pris la forme du 209, elle qui traque sans relâche ces détails qui sont autant de bornes la guidant vers l'envers du présent. L'immeuble agit ainsi en tant qu'enclencheur herméneutique qui permet une plongée dans le passé, et l'objet se dote d'une épaisseur temporelle scandée par les saisies singulières de ce lieu à travers ses étapes et ses métamorphoses. Les chronotopes bactiniens se présentent aussi comme les centres organisateurs des principaux événements contenus dans le sujet du roman. Ainsi, le 209 rue Saint-Maur sert de fil conducteur et de catalyseur de l'enquête. Ce minuscule bout de terrain que la narratrice s'est choisi constitue l'épicentre à partir duquel se construisent les multiples récits et sans que la vie de ses habitants. Michael Bakhtin juge que le chronotope de la rencontre se caractérise par un fort degré d'intensité et de valeur émotionnelle par rapport au chronotope de la route, notamment. Et ces traits distinctifs s'appliquent pleinement au chronotope de l'immeuble. Assemblage de différents matériaux inertes, le bâtiment se voit nanti d'une charge émotionnelle intense que le texte travaille sans jamais tomber dans le pathos, réussissant à saisir le tragique des histoires et de l'histoire avec un grand H.
Donc je cite Bakhtin, le chronotope, principale matérialisation du temps dans l'espace, apparaît comme le centre de la concrétisation figurative, comme l'incarnation du roman tout entier. Tous les éléments abstraits du roman, généralisation philosophique et sociale, idées, analyse des causes et des effets, et ainsi de suite gravitent autour du chronotope, et par son intermédiaire prennent chair et sang et participent au caractère imagé de l'art littéraire. Deux scènes particulièrement fortes correspondent à cette définition bakhtinienne. La première est le retour d'Henri l'Américain sur les lieux de son enfance dont il ne garde aucun souvenir. En découvrant le bâtiment, il est surpris par l'étroitesse des lieux et, je cite, paraît légèrement scandalisé par le faible standing de son appartement quand il réalise que les WC se trouvaient sur le palier et que ses parents allaient se laver aux bains municipaux. Par un brusque effet de réminiscence, des images enfouies lui reviennent à l'esprit, et ce qui surgissait, c'était un corps touché, un corps soigné et aimé, le corps d'un enfant inconditionnellement protégé par ses parents. Le souvenir s'incarne ici, littéralement, sous forme de chair et de sang. Dans l'immeuble, l'un des événements du roman prend corps au sens propre, celui de Henri enfant. La force du lieu est telle que l'immeuble s'impose même à l'esprit de ceux qui refusent de revenir dans l'immeuble. L'enquêtrice rencontre le fils d'une des enfants cachés pendant la guerre. Longtemps, le fils n'a rien su ou voulu savoir de cette période pendant laquelle sa mère a été enfermée, je cite, dans un espace si restreint avec la peur chevillée au ventre. Atteint d'une dépression à 53 ans, cet homme suractif, qui s'était toujours tenu de façon très volontariste à l'écart du gouffre, se penche finalement sur ce passé traumatisant qu'il a longtemps refoulé. Donc je cite le texte. Guy ne s'est jamais rendu rue Saint-Maur. Son père Robert non plus. Et la narratrice réalise combien cette adresse, cette pièce ont échappé peu à peu, filtrées par la tristesse, le déni et le temps, à leur réalité de briques et de pierres, pour devenir un lieu mythique, aussi effrayant que les forêts des contes, le lieu où s'affrontent les forces élémentaires du bien et du mal, celles de la mort et de la vie. La dimension prise par l'immeuble, arrachée à son simple statut de bâtiment, participe ici au caractère imagé de la littérature, par l'allusion à une forme littéraire ancienne et par la représentation du combat manichéen, épique, mythique, biblique, apocalyptique qui s'y déroule. Donc j'en ai fini avec ma seconde partie. Donc en conclusion, je voudrais parler d'un projet un peu fou, d'un artiste qui peut-être est légèrement obsessif et qui a décidé de recenser toutes les plaques commémoratives de la Seconde Guerre mondiale à Paris. Donc je vais faire circuler, il en a fait un livre, je fais circuler le livre, j'ai mis des post-it pour des plaques qui me paraissaient intéressantes. Certaines sont très originales. Et en fait, cette démarche pour l'artiste, c'est de faire un rempart contre l'oubli. Il les compare à des murmures patinés par le temps et absorbés dans le chaos visuel. Il regarde ces traces de mémoire fondues dans le décor urbain. Et les plaques commémoratives lui apparaissent comme un monument éclaté, fracturé, effiloché dans la ville. Leur dispersion était totale et leur quantité l'avait saisi de perplexité. Donc il endosse lui aussi le rôle du détective obsessionnel. Il veut enquêter, élucider, dépeindre et mettre en valeur la dignité de ces traces fragiles et cette archéologie urbaine. Comme la protagoniste de Ruth Zilbermann qui se méfie de l'expression « devoir de mémoire », l'artiste ne cherche pas à établir un conservatoire patrimonial des morts, mais plutôt à composer des récits. La philosophe Danielle Cohn qualifie le livre d'ouvroir de vision potentielle, pour paraphraser la définition de l'Oulipo, la contrainte formelle étant l'objet plaque qui garantit contre les charmes trop séducteurs d'une mélodie de la mémoire compassionnelle. Donc recenser toutes les plaques est une entreprise titanesque, elle s'étend sur plusieurs années. En fait, il y en a à peu près 1500 juste pour la période 1939-1945. Donc il a été aidé de plusieurs collaborateurs pour faire ce travail et puis ça s'est étalé, je pense, sur au moins une dizaine d'années.
Donc là, regarder les services comme cartographie, comme Google Maps, les sites d'associations, de particuliers, d'institutions, la fouiller dans les archives de la ville et de la préfecture de police. Et ensuite, l'équipe allait photographier les plaques dans toutes sortes d'endroits. Donc il y en a dans des immeubles, même dans les égouts, dans le métro, dans des bâtiments privés. Il y en a même eu une au sommet de la Tour Eiffel. Donc elles peuvent être situées au milieu d'un mur, au ras du sol, dans l'embrasure d'une porte d'immeuble, derrière une gouttière ou des grillages, entre des câbles. Elles ne sont pas toujours lisibles, effacement des lettres, ou visibles, car posées dans des bâtiments à l'accès protégé ou enlevées provisoirement lors d'une rénovation. Donc ces objets à forte valeur artistique réunis ensemble frappent par leur diversité de matériaux, marbre, granit, métal, verre, par la diversité de couleurs, de tailles et de formes, il y en a une seule qui est de forme ronde, ainsi que par la très grande richesse du vocabulaire typographique qui allie fluidité de la lecture et aspect esthétique. En tant que typographe, Philippe Appelois se montre particulièrement sensible au travail des artisans graveurs qui avaient œuvré à augmenter la lisibilité des mots, avec le souci d'embellir ces traces écrites et de leur donner cette forme stylistique, ténue, austère et mélancolique. Et donc je cite en conclusion les propos de l'artiste qui retrace un peu l'objet de sa démarche. Les plaques commémoratives, qui donnent à lire autant qu'elles donnent à voir, à la dérober dans les rues, continueront à transmettre leur message aux générations de demain. Comment pourrions-nous les effacer de notre conscience? Elles ne seront jamais au complet, l'exhaustivité ne sera jamais atteinte, mais la mémoire continue d'être célébrée. De nouvelles plaques sont posées, certaines complétées de vers poétiques, de maximes, et de plus en plus elles sont signées. Donc il me semble que ce soit sa démarche ou dans le roman de Ruth Zilberman, il y a vraiment un effort pour essayer de ressaisir en fait une certaine mémoire qui risque de s'effacer. Et je voulais un peu parler de ces deux œuvres pour mettre en parallèle leur démarche qui lutte contre la disparition mémorielle.